Bonjour, salam, shalom alaikum mes amis, bienvenue de nouveau sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler de vous et de moi, disons de 98% de la population. Ça concerne vos infos, vos données personnelles, vos achats, vos mouvements, vos déplacements, tout, même comment et quand vous étiez la dernière fois faire vos besoins. Naturel. On va parler Google, la base de données. Vous savez que quand vous achetez quelque chose via Google Play, tout ça, vous avez votre Android, toute l'info, même vos recherches simples sont gardées dans leur base de données. Il y a une page de Google là où vous pouvez télécharger tout ce que vous avez fait depuis que vous existez, depuis que vous utilisez. Le Google, l'Internet, tout. Ça, c'est les données personnelles à vous. Vos achats, comment vous avez acheté, qu'est-ce que vous avez acheté, où vous étiez, où est-ce que vous avez voyagé, comment vous avez fait pipi, tout. Le problème est là. Je vous explique. Si jamais il y a une fuite de ces données, si jamais ils sont craqués par un hacker ou je ne sais pas quoi, une attaque sur eux. Ces mauvais gens, les malfaiteurs, pourront potentiellement récupérer tous vos données, tous vos contacts, tout. Et j'aimerais bien savoir si c'est possible, s'il y a une option. Je m'adresse à Google, à YouTube, sûr à certains qui vont regarder cette vidéo. J'aimerais bien savoir. Laissez, s'il vous plaît, le commentaire sous ma vidéo. Est-ce qu'il y a une touche sur votre serveur, dans votre serveur, avec lequel je peux effacer toutes mes données existantes chez vous. Et je veux être rassuré que cette action vraiment sera prise en compte et elle effectuera la destruction informatique de toutes les données. Quels que soient mes contacts, comment j'ai pissé, qu'est-ce que j'ai recherché. Ok les gars, merci Google. Pour votre réponse, j'espère de l'avoir. Je crois pas beaucoup, mais je pense. Alors les gars, tout ce que je vous ai dit sur le danger de ce truc-là, sur l'attaque des pirates, tout ça, c'est mon opinion subjective. Vous pouvez bien sûr regarder par curiosité tout ce qu'ils savent, tout ce que Google sait sur vous, sur le lien que je laisse sous ma vidéo. Mais c'est vraiment, moi je pense que c'est très très grave. Moi, j'ai récupéré les infos sur moi. Et honnêtement, je ne suis pas très fier de ça. Je ne suis pas très content que quelqu'un garde, même confidentiellement, peut-être c'est pas le cas, toutes mes données, toutes les données sur moi. Ça, c'est vraiment hallucinant. Voilà. Quoi qu'il en soit. Je dis merci à Google avec ces trucs-là, tout ce qu'ils ont, YouTube, de nous aider, de nous servir quotidiennement. Mais la récolte d'infos personnelles, ça c'est un peu exagéré et c'est pas bien. Voilà. Merci beaucoup de votre attention. Prenez soin de vous et je vous répète encore une fois, sous ma vidéo, vous avez le lien. Vous cliquez, enregistrez-vous si vous n'êtes pas enregistré. Et vous verrez tout sur vous. C'est hallucinant. Ces documents-là, vous pouvez les télécharger en format zip ou compressé, mais ça peut prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de gigas. Je peux vous en rassurer, rassurer. Vous verrez l'historique que vous avez déjà même oublié, les actions, les mouvements que vous avez faits, et il y a des années qui sont déjà parties même de la tête. Et vous retrouverez toute votre vie sur le net. Bonne journée. Merci de votre attention. Partagez cette vidéo, like ou dislike, et évidemment, si c'est like, abonnez-vous et à la prochaine fois.